Hey, salut à tous, ici Chardin et on se retrouve dans ce 17e épisode de Dofus en compagnie de nos compagnons Chardin Anonyme et Chardailleur, notre petit Zobal et notre petit Héliotrope. Donc on s'était laissé ici pour faire l'Almanax, on va faire la même chose maintenant, donc j'ai été chercher les ressources au préalable, évidemment. Donc il s'agit de 4 becs de tofu, donc j'en ai 8, 4 chacun. J'ai aussi été chercher... J'ai été chercher la nouvelle quête, donc j'ai été rendre la quête du donjon squelette qu'on avait fait le dernier épisode. Et j'ai été chercher la nouvelle quête. Cette fois-ci, il s'agit du donjon Tofu. Donc, donjon qu'on a fait avec l'héliotrope, mais pas avec le Zobal. Donc, on va aller faire ça. Mais juste avant, vous allez voir, donc là, l'héliotrope, il avait gagné un petit succès. C'est quoi le succès d'ailleurs? C'était « Ce n'est qu'un début ». Ce que d'ailleurs, vous voyez, posséder une page de calendrier, donc faire une fois la quête de la Manax. Ce qu'on avait fait le dernier épisode, mais ça bug de temps en temps, donc les succès n'apparaissent pas immédiatement. Donc voilà, il a gagné un petit peu d'expérience. Normalement, avec l'offrande à Vinsteel, l'Almanax devrait le faire up. Donc on devrait monter de niveau. Oui, amplement, au moins amplement de niveau. Ça va nous faire monter niveau 60, et on va pouvoir enfin mettre du stuff un peu potable, donc... Boum, 60. Ça m'a assez s'en aller. On a 2 succès, donc Poussin 61 et Plagiste, donc faire les mobs des plages. Ce que notre Zobal n'a pas, mais l'héliotrope là. Parce que l'héliotrope, on a fait des petits donjons arabes avec, avec le Stadida. C'est normal. Donc, voilà. Toi, tu ne level up pas, mais tu gagnes quand même beaucoup d'XP. Donc, juste avant de me rendre... je pense qu'on va faire le petit donjon, donc on va continuer un peu notre ronde de donjon. Ça fait XP, mais juste avant, on va... J'ai pas de potion, hein. Non, ça aurait été trop facile. On va faire un échange pour passer des potions de Bonta. Voilà. Mais ils ont passé bon, 30aine. En même temps, tous les objets visibles, voilà. Donc je mets toutes les ressources sur le Zobal, je rappelle, parce que j'ai une banque commune avec... avec les deux persos, donc je préfère avoir avoir les ressources sur un seul perso. On va à Banta et on va aller chercher le stuff que j'ai mis. Bon, je l'ai mis en banque au préalable. C'était le stuff de mon Inutroph. Donc vous voyez si je vous montre. Inutroph niveau 68 dans Char d'Ancêtre. C'était son petit stuff. Voilà, donc je vais tout prendre. Mais on va pas tout mettre évidemment, donc il était haut. Je vais pas être haut. Mais on peut toujours voir s'il y a quelque chose de meilleur. Donc son amulette est beaucoup moins bonne. Il donne pas de vitalité. La caracoif, ça donne de la vitalité. On la met. Gelano, ça donne de l'intelligence. On s'en fout un peu de l'intelligence, mais. Ah non, en fait non, j'ai rien dit, on s'en fout pas du tout, en effet. Je retire ce que j'ai dit. Gelano, très important, on est rendu à 9 PA. C'est parfait. Des bottes. Je vais mettre les bottes quand même, ça donne beaucoup de vitalité. Et ça donne... Ah mais oui, c'est niveau 68. Bon, autant pour moi, j'ai pas encore les niveaux. Ceinture. Niveau 60, je vais la mettre. Même si ça donne de la chance. Ça donne aussi beaucoup de vitalité. Et de la prospection, c'est toujours mieux que des pods. Des pods, on s'en fout, sincèrement. Voilà. Je pense que ça va être tout pour l'instant, donc on n'a pas besoin de... Ah, je peux mettre ça, parfait. J'ai le bot. Ça donne un petit bonus de prospection, j'imagine. Non, non, 20 nettles, parfait. 20 nettles, c'est parfait. Je pourrais aller chercher une gélature, ça coûte combien? J'allais voir si je pourrais pas prendre une gélature à la place de notre ceinture... d'une ceinture tortue. Telle de vente, cordonnier. En même temps, je pourrais la vendre, la ceinture tortue. Gélature. Bon, 3, 26, 44, 46, 40. Je pourrais prendre une à 46, ça donnerait quoi de plus? 3 objets, ça donne 10 d'intel, donc on gagnerait 56 d'intel en gros. Ouais, ça peut être pas mal, donc on va acheter ça. Hop. Je cherche pas à avoir un jet parfait non plus, ça coûte déjà assez cher. Voilà. On est à 317. On va être à 319. Boum.
Et on a nos 200 d'Intel. On va pouvoir maintenant tout mettre en... c'est quoi le bruit? Genre le page chez les pews qui font du bruit. On va pouvoir maintenant tout mettre en vitalité. Slash invite char d'ailleurs. Char d'ailleurs, on va l'inviter dans le groupe. Et on va aller faire un petit donjon tofu. Donc donjon tofu, ça risque d'être un peu problématique pour le Zobal, mais avec un héliotrope, ça devrait le faire. Juste avant, je vais me rendre au village, on va aller utiliser les doppelons, mon dieu on en a beaucoup. Ah oui c'est vrai, on avait fait la ronde des doppels. J'avais oublié. Attends, je trouve. Un nougat, donc une drama blague nougat. Qui est-ce qui est petit, jaune et qui supporte tout? Un tofu avec un arc-boutin. J'ai pas compris. Mais ça doit être parce que l'arc-boutin, ça me... Je connais le de nom, mais je sais pas c'est quoi qu'il donne. Ou c'est quoi que... C'est quoi que ça fait dans la vie, donc c'est pas à toi que je vais parler. Oui, c'est à toi que je vais parler. Changer de doppelon. Vous voyez ici, on peut remettre à zéro les caractéristiques. On peut faire ça seulement une fois. Par contre, donc, on va le faire. Remettre à zéro les caractéristiques. Oui. Et on va tout mettre en vitalité. Vous allez voir, là, on va avoir beaucoup de vitalité. Mais on va faire beaucoup moins mal. Dû au fait qu'on a beaucoup moins de force, mais... Notre vitalité va avoir beaucoup monté et ça c'est parfait, c'est ce qu'on a besoin pour l'instant. Donc, je vais juste regarder un nouveau truc. Ok, ah c'est intéressant ça. En fait on m'avait dit que ce sort-là avait changé. Oh wow, ok. En gros, ça occasionne maintenant... Mascarade, avant, c'était un sort qui réduisait la vie de tout le monde de 50%. Donc pendant un ou deux tours, vous aviez 50% de vie. Vous perdiez 50% de votre vitalité actuelle. Donc par exemple, j'avais 2000 de vie. C'est comme si je venais de me prendre 1000 de dégâts. Mais j'en gagnais mon 1000 de vie plus tard. Donc ça permettait de faire des boss très rapidement. Et, par exemple, un boss qui avait 14 000 de vie, ben, ça lui enlevait 7 000 de vie d'un coup. Donc, on avait 7000 de vie de moins à faire, à tuer. Si on le tuait, évidemment. Donc, c'était assez pratique. Maintenant, c'est différent. C'est rendu un sort qui nous frappe, nous, mais ça frappe aussi l'ennemi. Donc, ça frappe de 20%. Mais plus on a de vie, plus ça fait mal. Donc là, ça vaut vraiment la peine d'avoir beaucoup de vita pour faire vraiment mal avec Mascarade. Ça, c'est intéressant. Beaucoup de monde était contre. Voyons. Contre la modification de ce sort. Bon, moi je la trouve pas si mal. J'avoue, je la trouve pas si mal. Après, c'est peut-être parce que je connaissais pas assez les obales. Mais c'était pas si mal. Juste un instant. Pardonnez-moi, j'ai été me chercher une veste, j'avais froid. Bon, allez, on va aller faire un petit donjon tofu. Donc, cours Kingals. Je viens te parler à toi. On va téléporter les membres du groupe. Oui. Parfait. Et on va aller faire un petit donjon. Donc on devrait s'en sortir bien avec l'héliotrope. Ça devrait pas être trop un problème. C'est quoi ça? Mais je m'en fous. Putain, j'espère que ça a pas tout fait bugger. Bon, désolé. Normalement, ça a pas tout fait bugger, mais il y a... Bon, il y a Battle.net qui m'a demandé de faire une mise à jour. J'en ai rien à foutre. Pour l'instant, donc... tu la feras plus tard, Battle.net. Le mob, il est où? Oh, ça bug, ok. Ok, le mob est là, parfait. Allez. Le Zobal, je vais faire focuser le Tofukaz. Parce que c'est le Tofukaz qui va poser problème ici. Donc vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, c'est pratique parce que, vous voyez, on peut mettre deux portails et faire deux sorts. Donc là, Tofukaz one-shotted. Bon, évidemment, Versatile, c'est un peu chaud. On va peut-être faire focus, mais pas Versatile. Versatile, ça va être un peu trop chiant. Et des tofus, Dieu sait ce que c'est le bordel, des tofus. Dieu le sait. Bon. Psychopathe. Voya. Voya. Et on va faire un petit cabriole sur le côté pour nous rapprocher de l'autre. Hmm.
Ok. Je vais aller ici. Je vais mettre ça là. Je vais faire ça. Bon, je me rends pas évidemment, mais... Dommage, il manquait pas beaucoup de... Bon, il manquait pas tellement de portée pour me rendre. En fait, il m'aurait manqué 3 PM. Bon, j'ai rien dit. En fait, 3 PM, c'est beaucoup. 3 PM, c'est beaucoup. Je me rendais pas. Bon, tant pis. C'est pas plus grave. Lui, il va prendre le portail pour venir, évidemment. Et il a pas pris l'autre pour s'enfuir, par contre. Là, je suis surpris. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Ouais, normalement. Si mes calculs sont bons, parfait. Voilà. Dans le creep. Petit labyrinthe qu'on traverse facilement. Parce que c'est pas un labyrinthe compliqué du tout. Hop. Hop, hop. Et voilà. Pas de seul. Ok. Bon, je vais traverser. Je vais en profiter pendant qu'il y ait un lancement de combat pour traverser avant que le tofu réapparaisse. Parfait. Et lui, bon, vous voyez, il y avait juste. Ça va pas être très long comme combat. J'aurais pu m'y rendre, je crois, mais tant pis. Meurs. Voilà. Parfait. Bon. On y va et on continue le donjon. Donc on est rendu à la salle 2, même si c'est écrit la salle 3. Parce que, bon, c'est le deuxième combat. Hein, donc c'est la salle 2 en vrai. Tiens, je sais pas, je peux faire ça. Merci. Intouchable. On peut. On peut peut-être. En fait, non, j'ai rien dit, on peut pas. On peut pas du tout, même. Trop de. Ah, dommage. J'ai espéré le tuer. Bon, je le tuerai avec le Zobal. Le Zobal. Vous voyez pourquoi son dérangeant est efficace? C'est parce qu'ils se mettent invisibles. Ils mettent tous leurs alliés invisibles aussi. Ça, c'est pas cool. Mais vraiment pas, quoi. Voilà, je fais une petite cabriole, je me rappelle plus s'il y avait des gens. Et là, en gros, ce qu'il faut faire, c'est attendre que les mobs. Voilà, que les mobs se dévoilent. Ce qui peut être parfois très long. Ah, bah là, ça a pas été long. J'ai essayé de bouger, ça a pas marché. Donc, il y a un mob qui est devant moi. Mais on va faire un autre, tiens. Et je vais placer un portail là. Parfait. Même si... Ah, il va bouger, ça. Même s'il va bouger. Je peux pas aller là. Donc là, vraiment, c'est vraiment dans le but de... Juste essayer de trouver les mobs. Je fais des sorts dans le vide, c'est normal. J'ai aucune idée sur où les mobs. Donc on fait des trucs. Ceux qui peuvent être, peuvent peut-être être là. Il n'y est pas évidemment, ça va être trop facile. Bon voilà, Tough Cash j'ai trouvé et les deux autres mobs sont cachés. Ils étaient cachés là, donc... Donc ça va. Je vois pas vraiment comment je pourrais m'y rendre. Demandade, je peux le faire combien de fois par tour? Une fois. Ok. Je vois vraiment pas comment j'aurais pu m'y rendre. Je pensais que je pouvais, sincèrement. Toi, tu vas mourir. À peu près peu importe où t'es, tu mourrais. Et là, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, et ça comme ça. Donc ça me permet de rapprocher mes portails. Bon, ça va permettre plus à Autoficace de s'échapper, je crois. Ouais, voilà. C'est pas très grave. Et on va faire ça comme ça. Meurs le Tofukaz, voilà. Bon, j'aurais fait une challenge au final. Ça va être un peu compliqué comme combat. Parce que c'est long avec des Tofukaz, mais rassurez-vous, au boss, il n'y en a pas.
Dans le combat, ça sera pas trop, dérangeant. C'est vraiment les tough cases qui sont chiants. En fait, j'ai rien dit, ces mobs-là aussi sont chiants. Tous les mobs de donjon sont chiants. C'est commotion le dernier sort, j'ai eu, non? C'est camouflé. Ok, bon, on fout, des camouflés. Toi. Vous voyez, il y a 1000 de vie, quand même, il y a beaucoup de vie. On rentre dans des mobs un petit peu plus puissants. Ouais. Ok, si tu veux. Écoute, ça, c'est le plaisir de donner au kick avec moi. Garde-toi. Je vais mettre un portail là. Un autre ici. Et on va aller taper le gros. Je peux juste le taper une fois pour l'instant. Je pense qu'il va rester dans le coin vu qu'il invoque des mobs à chaque tour. Il risque de rester dans le coin. Ce sera pas très grave. Si la Tofun par contre voulait passer, ça serait un petit peu cool, non? Tofun. Tofun, que tu fais? Tofu. Oui, lui, il est vraiment génial, ce... vraiment génial, ce mob. C'est un gros tofu. Gros tofu base. Ventrez pas tant. Trop mignon. Il est kawaii. Il est kawaii. Kawaii. Ah non, il a bougé. Ok. Là, on espère, donc ça va aller... Ok. Si je voulais par exemple faire ça ici. Ah, j'ai foiré un peu quand même. J'ai définitivement foiré. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, tant pis. J'aurais dû le placer là. Pour que les abales puissent se traverser. Mais tant pis. C'est pas grave. On va taper comme ça. Ouais. Ouais. Le mieux, ce serait de taper haut, c'est sûr, mais... Je sais pas vraiment de quoi le taper haut pour l'instant. Je vais essayer de tout regrouper, mais... Mes portails au centre. On va désactiver ce portail pour la cause. Voilà. Une petite sorte de soin qui est gratuit. Et... C'est tout. Bon, comme ça... j'aurais dû booster, j'ai pas pensé. Ça va être un peu plus fort. Ça va être vraiment long à buter, t'es fou en tripote. Sachant que les deux prochaines salles, donc la troisième salle, la salle du boss, c'est encore des t'es fou en tripotant qu'il y a. C'est un peu chiant. Mais on s'y fait. Ici. Et là, ce serait ici. Voilà. Et un petit affliction, tiens. Ça va pas y faire. Ça, ça lui fera pas mal, mais bon. C'est le seul sort qui fait un peu quelque chose. J'ai pas Bolish. Non, c'est niveau. Non, c'est niveau 90 Bolish. Ok. J'aurais Bolish, je l'aurais un peu buté, mais. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, même. Oups. Je voulais passer mon tour. Bon, allez. Allez, gros tofu. Sois sympa. Merci. Bon, parfait. Là, je vais le finir. Voilà. Merci. Bon. Un combat semblable, sauf que là, c'est un tofu case à la place du tofu. Donc, oui, ils sont chiants. Définitivement chiants. Mais c'est pas trop grave. Je vais faire ça comme ça et je vais essayer un truc. Ouais. Évidemment, le Tofikas, bon, il joue avant, avant le Zabal, hein, ça serait trop facile sinon. Là, ma
armement de feu, j'ai fait combien de dégâts, je sais pas. Je peux pas savoir le dégât que j'aurais fait avec Cabriole parce qu'il est invisible, donc on va pas tenter le diable. On va faire comme si je lui faisais pas très mal. Je pense que c'est le cas d'ailleurs. Sincèrement. Ok. J'ai buté pour me rendre. Ouais, je peux pas. Sérieux. Je peux faire ça. Donc le Tofikaz est ici. Bah ben, je sais pas si c'est le Tofikaz, mais il y a quelqu'un qui est là. Oui, c'est le Tofikaz, définitivement. Définitivement le Tofikaz. Parfait. J'ai trouvé, je vais pouvoir le tuer. Avec le l'héliotrope, ça va révéler en même temps la. La mame. J'imagine va bouger, je doute qu'elle reste là. Quoique s'il y a bug, je peux pas garantir. Allez maman. Mamma mia. C'est vraiment buggy, hein? C'est un peu dérangeant. Est-ce qu'elle est encore là? Ouais, elle est encore là. Bon, ok. Si elle veut. Pas de temps à perdre, mais je bute lui. Boom. Et ensuite, je vais m'occuper de toi. Dans ce cas, t'es résist, toi. T'es à moins résist R. Je tape quand même plus fort feu. C'est logique. On va buter feu et lui, on va. Voilà, on va commencer à le taper. Ça va être un peu lent comme tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va y arriver, donc 100 de dégâts par tour. Voilà, quoi. Fais ça comme ça. J'ai quand même une portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, j'ai pile la portée qu'il me faut. Hop. Voilà. J'avais pile la portée, c'est cool. Donc, je sais pas si j'avais déjà expliqué le fonctionnement des portails. Donc, quand on tire dans un portail. Le portail en question s'en va chercher le portail le plus proche à lui. Qui est par exemple là si je tire sur le 4 ça va vers le 3, puis le 1, puis le 2. Si je tire à partir du 3, ça va faire 4, 1, ben 3, 4, 1, 2. À partir du 1, ça va chercher le 2, le 4, etc. Donc ça va vraiment chercher le portail le plus proche et toi tu bugs, ça m'énerve. Mais bon. Donc là, vous voyez, c'est simple, on peut savoir le chemin que les portails font en plaçant notre souris dessus, ce qui est pratique, donc on voit où il sort. C'est comme ça que j'ai pu déterminer où placer mon portail pour pouvoir taper la la touffe. Parfait, du coup on va mettre ça ici, même encore un peu plus loin ici. Et dommage, j'ai pas assez de portée, donc là, étirement, ouais, ça me laisserait un portée après, ça serait pas, ça vaut pas la peine. On continue à l'attaquer, évidemment. Si je veux taper le gros, faudrait que, si je mets un portail, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux faire ça. On va mettre un portail là. Ah merde. Fail. C'est pas ça que je veux faire. Si je mets un portail ici, je peux pas. Ici, je peux. Ouais. Mais j'aurai pas la vision, donc ça marchera pas. À moins que j'en mette un autre. Ok, bon, j'ai aucun moyen de l'attaquer du coup. J'ai foiré. J'avais aucun moyen de l'attaquer à cause de Zobal, il était dans le chemin. Donc la ligne de vue est quand même importante. Vous voyez, j'aurais pas pu taper. Le tofu en tripotant parce que le Zobal était là. Et il bloquait donc la ligne de vue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Bon, là, il va arrêter de m'énerver. Ici. 1, 2.
Ça va être la case à... ouais. Quand une case plus loin, boum. Bon, déjà avec l'héliotrope, on fait un peu plus mal. On fait beaucoup plus de dégâts avec l'héliotrope. Désolé que ce soit long. Mais faut le faire, donc je pense que... si mes souvenirs sont bons, le prochain donjon c'est quelque chose comme le... comme le donjon, oups. Je vais mettre un ici, voilà. Comme le donjon Scarafeuille. Si c'est le cas, on le fera pas, parce que le donjon Scarafeuille, je suis à peu près sûr qu'on gère pas. Ça va être vraiment très chaud. Dès que ce donjon-là, on galère, bon, on galère. Pas parce qu'on est en train de mourir, mais... on galère quand même à tuer sur un simple de flou antipotent. C'est jamais bon signe. Je vais faire ça, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être pour faire un petit sort de soin ici. Pour pouvoir soigner Zobal, pour pouvoir soigner quand même beaucoup. Vous avez vu. Et bon bah c'est ça. Je peux pas attaquer encore, donc on va laisser Zobal le finir. Hop hop. Parce que comme petit sort de soin, c'est toujours gratuit. Ça fait de la vie en moins à récupérer. Donc ici. J'ai pas de pain évidemment. Ça va être trop facile. Bon, j'ai ça. Voilà, donc j'ai tout mangé ce que j'avais. Ça va faire l'affaire. Tofun, Tofu Antipotent et Batofu, donc le petit Batman. Petit Batman, l'héliotrope va monter, va level up à ce combat-là, ça c'est cool. Les challenges ici... oh, what? Bon, ben les succès, c'est les challenges qu'on a présentement. C'est rare que ça arrive, ça c'est très très rare que ça arrive, que les succès soient les challenges. C'est cool. Quoique problématique, mais ça, c'est toujours cool. Je vais faire un truc. Hop. Hop. Voilà. Et un petit... je peux pas attirer... commotion. Donc, prochain tour, je vais pouvoir attirer le Zobal. Donc, le Zobal, je vais le mettre ici pour pouvoir attirer le Zobal vers les ennemis. J'ai déjà foiré Versatile parce que je suis noob, en fait. Donc, on va pas... voilà, je viens de décider qu'on ferait pas ça parce que ça va être trop long. Beaucoup trop long. Sérieux. J'ai même pas moins de shot. Déçu. Très déçu. Donc on va pas faire les succès. On aura le succès de donjon, c'est déjà ça. Mais les autres, ça va être beaucoup trop chiant. On les fera une autre fois. Quand on aura plus de possibilités. Parce que pour l'instant, ça va vraiment pas le faire. Toi, tu meurs. Déjà, merci. C'était pas un vrai mob, c'était juste une invocation, malheureusement. Puis, si je mets ça ici, y a pas moyen, non. J'ai aucun moyen, donc on va commencer à taper du dessus. Voilà. Le Batofu fait pas très mal. Bon, un peu, mais pas énormément. Le seul problème, c'est qu'il invoque des tofu. Des tofu lancés, donc les tofu lancés ont 50% de résist. Pourquoi un tofu qui se fait lancer gagne de la résistance? Excellente question. J'en ai aucune idée. Mais c'est dérangeant. Surtout en l'occurrence. Bon, là ce que je vais faire, ça va être ça. J'ai mal placé mon portail, j'ai vraiment mal placé mon portail, j'ai vraiment mal joué. Honte à moi. Tant pis, on va y aller comme ça du coup. J'aurais fait des rayons Waku, j'aurais pu taper les deux mobs. Mais non, j'étais trop stupide. Combien de résist? De moins résist. Oh. Voilà. On va lui faire un sort haut du coup. Masse de classe, je vais me faire un plastron. Et on va se rendre au cake avec eux. Merci. Voilà. Ah oui, ok, tu donnes un PA à tout le monde. Nice. Génial. J'aime beaucoup, ils sont débiles. Complètement débiles.
C'est le 1, c'est lequel? C'est l'autre, évidemment. Ça aurait été trop facile. Donc, ce que je vais faire, ça va être... mettre un portail là. Ça marchera pas. Un portail ici, ça marcherait par contre. Ah non, ça marche pas. J'ai mal joué. Non! Ah mon dieu, j'ai mal joué. Ah, je suis tellement lent. Je suis trop lent pour jouer, désolé. J'en suis vraiment désolé. J'ai vraiment foiré mon truc. Pas du tout ce que je voulais faire. Ça, je fais. Je fais plus mal avec ça, donc je vais commencer. Je vais commencer tout de suite. Je vais laisser Zobal, l'Héliotrope, pardon, s'occuper des deux autres, même s'ils risquent de crever. Boum. Boum. Ah non. T'es comme ça, toi. T'es en mode. Ouais, paf. Ok. Je vais venir ici. Boum. Comme ça va me permettre à Ozobal de se sauver si on a besoin. En faisant un petit cabriole ici. Je fais quoi? Et puis. Je fais un truc, ça va être ça. Hop là. Voilà. Comme ça, j'ai passé le portail, je suis revenu chez nous. Je vais pouvoir soigner les deux. Bon, évidemment, lui. Lui, il est aussi, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas très grave. Le problème, c'est que je suis pas capable de focus en fait. Ça fait déjà 32 minutes de vidéo, oh mon dieu. Je suis désolé. La vidéo va être un petit peu plus longue apparemment, donc en finissant le combat, je vais arrêter la vidéo, mais là, voilà, je veux quand même. J'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu d'une vidéo. D'un combat, pardon. Tiens, je sais ce que je vais faire. Ouf, nice. Toi, t'as mal par contre. Vraiment, c'est combien de temps plastron? Je peux le faire, parfait. Je vais faire un plastron tout de suite. J'ai pas tellement le choix. Yep. Ok, t'as une libération toi. T'as le sort libéré, normal. Toi, plastron. Et un petit rush ici pour venir au cac avec elle. Lui il pourra pas s'approcher parce que. À moins que. Ouais, non, il peut aller là, mais. Ouais, il peut reculer aussi. C'est sûr que tu peux reculer, ça marche aussi. Un peu moins orthodoxe, mais ça marche aussi. Si je vais là, je mets un portail ici. Je prends me rendre. Ça serait ici. Parfait. Donc je vais mettre un portail là. C'est quoi? Ouais. Non, ça marche plus. Ça marche pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis, on va faire autrement. On va y aller directement. On va pas se casser la tête avec ça. On va y aller directement. Comme ça. Hop. Ouais, il m'attaque coup de libé si tu veux. C'est aucun souci. Aucun souci. Il reste encore 130 points d'armure, donc on est amplement correct. Ah, je vais quand même réussir du haut normalement. Si je réussis à les finir en moins de 20 tours. Je
devrait réussir du haut. Ça devrait bien se passer au moins le 20 tours, sincèrement. Quoique. Ah, la Typhoon, s'il te plaît. Typhoon, why you do this to me? Pourquoi? Pourquoi, petite Typhoon? Tu ne veux pas passer ton tour? Bon, il va falloir que je la tue, elle, parce que c'est chiant. C'est long. C'est long pour rien, quoi. C'est pas pour être méchant rien, moi, je joue. Voilà, c'est long. Oui. Merci. Là, tu meurs. Typhoon. Allez. On va se mettre en masse de classe. Mal à Typhoon. Parfait, elle va arrêter de bugger. C'est bientôt. Mal le boss. Le boss meurt à ce tour-ci. Voilà. On vient ici, on fait un petit coup de heal. Et ça va péter le dernier. Ce qui va être pratique donc. Coup de bouclier. Et on y va. Un petit boost pour les deux. Ça fait plaisir. Allez. Ah merde, j'ai passé. C'est moi qui passe pour son tour. Pardon. Je pensais. Ah ouais. Oh non, t'es sérieux. Oh non, les mobs qui handle pas les portails. Les mobs qui comprennent rien, c'est le quack. Oui, j'emprunte des expressions à des youtubeurs connus. Je suis comme ça. Rien à foutre. Les portails. Oh non, ça joue à full sun. Ils comprennent rien. C'est la déchéance. Allez. Tu vas mettre un portail ici, et un autre ici, et toi tu vas attaquer directement au travers, voilà, et je vais te mettre un petit focus, voilà, je veux une petite thérapie, je peux pas, voilà, comme ça, voilà, boum, plein de dégâts, et boum, plein de dégâts encore, un petit 200 de puissance, ça fait du bien. Allez. On va réussir à le tuer. Voilà. Voilà. Meurs les cris. Ah, ça tape les deux, ça! C'est fort, bah! C'est fort, ce truc! Allez! Et normalement, il finit. Hop, hop, ah oui, en plein air. Bon, enfin! Ah, bordel! Fous! Ah, parfait! Vous voyez, ça, je suis content de l'avoir parce que. Expooty! Dédicace à toi, m'avait dit achète le chevalier d'Astrub, ben, le gardien d'Astrub, donc le chevalier d'Astrub, ça coûte pas cher, mais je voulais pas l'acheter parce que on l'a gratuitement ici. Donc chevalier d'Astrub, petit signe, on va le mettre. Voilà, donc on a un compagnon de plus, c'est un personnage de plus dans notre inventaire, dans notre groupe. Et toi, niveau 62, parfait. C'est un personnage de plus dans notre groupe, et ça fait plaisir. Par contre, on gagne moins d'XP quand on l'a avec nous, donc je vais pas le mettre tout le temps, évidemment, mais pour des boss que je pense pas ne pas gérer, on va pouvoir le mettre, et ça va être cool. Donc, foutu donjon de fût de merde, on l'a fait enfin. On va devoir le refaire un jour, mais pas pour l'instant, et ce jour-là, on va être un peu plus fort. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. je vais arrêter l'épisode-là avant de péter un câble. Je déteste ce donjon. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. Si vous avez aimé, à me dire en commentaire.
Ce que vous pensez, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, je vais me mettre bon tarien éventuellement. Vous en faites pas, mais là, comme j'ai un petit personnage à côté de moi, j'en profite pour faire des trucs un peu plus difficiles. Donc, vous vous en doutez, ce donjon-là, je l'aurais pas réussi tout seul. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo demain. Donc, je vous dis au revoir tout le monde. Bye bye!